Ma rencontre avec ce matériau, c'est très ancien, ça date de ma période scolaire. On avait un travail personnel à faire où il fallait exploiter un matériau avec son contraire. Et donc j'ai fait un travail où j'ai mélangé des fils très doux comme du mohair, de la laine, des choses vraiment très très soyeuses. Et son contraste, c'était des choses très raides, très rudes, très violente à travailler, et en fait j'ai travaillé avec du fil de fer. Et donc vraiment la genèse de ma création actuelle, c'est ce petit travail très scolaire pendant mes années d'études. Pour signer mon travail, j'ai trouvé une petite astuce en utilisant en fait les plombs d'électricien qui servent à sécuriser les compteurs. Donc je me suis fait faire un poinçon avec une pince, et donc au tout début de mon travail, j'intègre le poinçon dans l'armature avant de faire mon travail de tressage de fil dessus. Ce qui fait que, à la fin, en fait, mon poinçon, ma signature, elle fait partie de l'œuvre. Oui, moi je signe au début. Quand j'ai commencé à travailler, je travaillais avec du fil de cuivre de récupération. Je le récupérais dans les anciens appareils électroménagers. C'était ces petites bobines, je trouvais ça absolument magique, la brillance du fil de cuivre, je trouvais ça fantastique. Et en fait, c'est là que j'ai fait mes premières petites pièces. Sauf qu'après, je me suis aperçue que le fil de cuivre, c'est bien gentil, mais au niveau de la palette, c'était super limité. Et moi, j'avais pas envie de me limiter juste à une palette de cuivre. J'avais très très envie de travailler de la couleur, et c'est là que j'ai rencontré, parce qu'en même temps un matériau c'est une rencontre, j'ai rencontré la possibilité de travailler justement avec le fil électrique et le fil téléphonique. Et en fait cette proposition de couleur, ça me ramenait à quelque chose de très textile, et en fait ça m'ouvrait des possibilités de création nouvelles. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la résistance avec le matériau. C'est un matériau qui n'est pas tendre, qui n'est pas complaisant. Ça peut être très très dur à travailler. C'est un travail qui peut être très répétitif, très systématique. Comme je pars effectivement d'un matériau qui pourrait ne pas être intéressant, moi c'est aussi une manière de le sublimer, ce matériau. Je lui donne une valeur ajoutée, j'y mets aussi des images, c'est pas juste une matière. Quand je fais quelque chose de très multicolore dans les verts et dans les roses, je me dis, ça peut être aussi l'histoire d'un jardin qu'on regarde comme ça à travers un filtre. C'est une impression de paysage, de choses colorées, de choses vivantes. Et c'est infini comme couleur, comme recherche. J'ai mixé plein de techniques que je connaissais, que je maîtrisais, peut-être bien ou mal. Mais en même temps, j'ai créé ma propre écriture avec toutes ces techniques textiles qui existent depuis la nuit des temps. Et justement, ce travail de continuité du fil, le fait qu'on peut rester longtemps sur l'ouvrage, je trouve que c'est une approche en fait très très féminine du travail. Pour moi, une œuvre aboutie, c'est une œuvre qui me plaît, où je ne suis pas gênée par mon degré d'exigence dans la finition, où le travail de fil a intégralement colonisé le volume que j'ai voulu créer. Ça, pour moi, une pièce, elle est finie à ce moment-là. Après, il y a mon histoire sur la lumière. Donc moi, tout ce travail d'ombre projetée, de plein de vide, j'ai ce travail-là. Et après, j'ai ce travail sur les petits objets. La petite lueur qui me permet d'avancer dans ma création, elle est multiple, en fait. En fait, il y a plein de lueurs. Je ne revendique pas d'avoir créé la forme du siècle. Pour moi, c'est une intervention, c'est une proposition que je fais sur des pièces de mobilier.